Eh bien le bonjour. Bonjour Pierre, bonjour, bonjour à tous, bonjour. Quel moment solennel. Benjamin, on est attendu sur cette vidéo. C'est ce qu'on appelle le pas le droit à l'erreur. Le concept, vous le connaissez. On a un nom de magasin qui est caché en partie. On a une petite énigme pour trouver le jeu de mots des pires noms de magasins. T'es préparé? De toute façon, coup d'envoi. Tu t'es pas préparé comme moi je me suis préparé. C'est-à-dire, c'était quoi ton entraînement? Ce matin, t'es pas passé à Paris devant Alterna. Tif. Ok, ouais, non, mais ça te met dans le match aussi. Je crois qu'il y en a entre 20 et 30, il faut qu'on fasse moins de 5 erreurs. C'est clair et net, si on fait plus de 5 erreurs... C'est comme au code. On n'hérite pas le titre. On va être costaud, tu sais qu'on peut le faire. Allez, on va commencer. Vite fait, mal fait. Avec l'art, à l'arrache. Allez. Allez, ça commence. À l'art, hache. Allez, merci. Ça va être un truc de lancer de hache. T'as encore si peu vendeur. C'est très, très peu vendeur. Il n'y a rien dans le nom. Bah même la porte fait pas vendeur. Ouais, il n'y a rien. Le caviste le mieux noté de France. Ah, je l'ai. 20 sur 20. Excuse-moi, c'est ce niveau pendant toute la vidéo. Je vais pas faire le glorieux. Hein. J'ai pas demandé, peut-être c'est échauffement inclus dans les trucs. Sûrement un pote de Monsieur Neymar. Pas cadré. Non, c'est trop facile, pas cadré. Mal cadré, non, attends. Hors cadre. Hors cadre, ça peut le faire, hors cadre. Attends, c'est des... Il est pas connu pour pas cadrer, Neymar. Un prénom, non? Jean Cadre. Jean Neymar, Jean Cadre. Et elle est là, la lucarne. Je t'ai fait la passe en profondeur. Bien sûr. Je vais aller la chercher. Merci, s'il vous plaît. Attention, ça va très très vite. Est-ce qu'on met un monteur ou on envoie direct le rush comme ça sur YouTube? Moi, ce que j'ai peur, et comme d'habitude, c'est que le viewers derrière l'ordi, il n'a pas le temps. Là. Malheureusement, il ne joue pas. Il faudra peut-être nous mettre au ralenti. Le magasin de croquettes. Non. Croquettes. De croquettes. Le magasin de croquettes. Croquettes. J'ai même pas le jeu de mots croquettes. Je dirais cannibale. Du coup, il croque des têtes. Il croque... Ouais, c'est un mangeur d'hommes, quoi. On joue notre premier point possible sur nos 5 perdants. Bon, allez, on tente cannibale. Allez, cannibale. Bien joué, Pierre. Quelle erreur de choix de nom de magasin. S'il vous plaît, dites-nous. Vos goûts. Et là, c'est du... Ah, attends. Vente de sous-vêtements. Slip vous plaît. Hein. Slip vous plaît, dites-nous. Nanana, vos goûts. Il y a une formule de politesse. Quels sont vos goûts? Quels sont vos goûts? Tu me suis ou pas? Ah, je te suis, mais à 100%, c'est sûr et certain. Taré! Zéro erreur pour l'instant. On ne peut pas venir nous chercher, on ne peut pas. C'est le haut niveau. Le créateur de la fondation. La fondation? Le créateur de la fondation? Des travaux à la hauteur des ambitions. On a que... Là, c'est dur parce qu'on a que le TP. Faut aller chercher quelque chose dans le BTP. Un BTP. C'est pas l'abbé Pierre? La BTP. Oh, c'est serait... Allez, on va chercher. Non, mais là, vous savez, des fois, vous voyez des sportifs, ils marchent sur l'eau. C'est-à-dire que tout ce qu'ils font... Tout est réussi. même un mouvement raté rend un truc bien. On n'est pas dans notre prime? Dans le nouvel album des Beatles. Jeu de mots avec une chanson des Beatles, du coup, on imagine. Est-ce que c'est jeans? Bah oui. Ou Jean? On va plutôt considérer que c'est jeans. Dans le nouvel album des Beatles. Les tubes des Beatles. Brainstorming, hein. Yellow Summer Jeans. C'était quoi, non? Yellow Submarine. Ouais. Je sais, allez. Ça, en fait, ça a l'air très court. Tu crois qu'il y a beaucoup de mots en petit? Non, t'as peut-être raison. Donc, Hey Jude, Yellow Submarine, Yesterday, Michelle, ma belle. J'ai pas la culture, en fait. Je me rends compte que j'ai pas la culture. On va dépasser les 45 secondes de réflexion, là. Faut être honnête. On va devoir laisser le premier erreur. C'est pas fair play puisque c'est John Lennon, c'est pas les Beatles. On accuse le coup, mais c'est un but vraiment raccro. Le baron de la bière. Escobar. Allez, on reprend de la confiance, on reprend. Ça sera bien, ça reprend. Boulangerie favorite d'Emmanuel Macron. Tatata pain. Ah. Perlin pain pain. Ah oui, c'est fort. Pendant le... Perlin pain pain. La poudre de perlin pain pain. La salle de porc. La salle de sport, c'est un truc gras. Et là, c'est basic frites. Je me permets de... Est-ce que tu veux tirer? Tu veux tirer ou pas? Basic frites. Moi, je pense que c'est pour montrer que c'est gras et un jeu de mots avec du gras. Là, c'est basic frites, c'est sûr. Vas-y. Bah, je te fais confiance, à un moment donné, il faut faire confiance aussi. Avec les deux frites, trouvées en PNG sur Google Images, libre de droit. Le plus sérieux des poissonniers. Il y a quoi comme poisson? Au rationnel? Il y a pas de poissonnier connu. Non. Il y a pas des trucs genre Findus. Croustibat. Ah, je l'ai pas là. Avec la sole, professionnel, la rêve. Deuxième erreur là. Attends, on encaisse le coup.
c'était anglais. Peut-être nous mettre un petit drapeau quand c'est comme ça. Pleu que c'est pas en France. On est sur tout le champ lexical français, les gars. On déballe notre jeu pour rien là en fait. Bah vous nous le dites. On a ok. On se prépare pour de la terre battue, on a du gazon. Professionals. Vous allez nous dire si on m'avait dit que c'était en, si on vous avait dit en anglais est-ce que vous auriez été sur professionals. On ne le saura jamais. Mais une fois de plus, ça joue un peu dur sur l'homme. Ouais, on peut revenir un peu là. C'est pas grave. Par contre, c'est pas tant en anglais que ça parce que en dessous c'est marqué la mer et toute sa fraîcheur. C'est vraiment un français qui a fait ça. Mais le mot est en anglais. Ouais, on l'aurait pas fait en français. Si pour toi, y a pas faute, hein, moi je m'en fous. Attends, j'essaie juste de dire que on pourrait avoir un sans faute. Bah allez, on va passer pour des mauvais joueurs. Le coiffeur sexuel avec R. Ah, il peut y avoir plein de trucs là. Un mot qui finit en R en sexuel, il doit y avoir des trucs, non? On est plus dans le match, ça m'énerve. Ouais, on est plus dans le match. Bon, concentre-toi, Pierre. Le coiffeur sexuel, adulte, R. C'est bien. Quelle erreur. Là, c'est quoi? C'est notre faute plein pot. Ah là, je prends. J'étais tellement sûr de moi. Bah ouais, mais on n'a pas cadré. Ah putain, missionnaire. Évident. Faut qu'on se remette. Pierre, arrête. Ah là là, on encaisse déjà. Arrête, s'il te plaît. À chaque fois, on n'a pas le temps de se remettre, tu mets l'autre. Excuse-moi. Faut pas. Non, mais j'aime pas. J'aime pas quand c'est un mot dans l'équipe. On avait fait un très beau début de match. À chaque fois, tu veux repartir à l'engagement. Là, tu vois, arrête. Vas-y, toi. Ok, encaisse le truc. Encaisse. Missionnaire. Ok, très bien. On passe à autre chose. On évacue le cerveau. Tu veux dire, c'était pas mal aussi. Pour un coiffeur adulte. Mais ça, c'est une erreur qu'on fait à chaque fois. C'est qu'on prend pour argent comptant le fait que nous, on ait trouvé un truc. Je suis d'accord, Benjamin. Je suis désolé. Ce que les salariés de Maison Grise ne sont pas. Professionnels. Allez. On se remet dans le match. Allez, ça c'était évident. On se remet dans le match. Ça c'était évident. Un peu donné. C'est bien, mais il faut des buts donnés aussi. Débarras londonien. Big Ben. Allez, Pierre. T'es pas mal, non? Non, mais failli. Big Ben, voilà, allez. Et un dire Big. Si Axel Rose ne mangeait pas de viande. Axel Rose, on est d'accord Vegans and Roses. Axel Rose, c'est le chanteur de Guns N' Roses. Donc c'est Vegan and Roses. Fais confiance à ton attaquant. Voilà mon bonhomme. Tu mets le ballon et J'étais en train de boire sur le bord de terrain. C'est Vegans and Roses. Allez. Le grec du porc. Kebab. Et ça peut être kebab or. Kebab or ou kebab. Ouais, tribord, babord, kebab. Ouais, très bien. Comment? Allez. Comment? Le lunetier attentionné. Au petit soin. Comment? On perd le sans faute, messieurs, dames. Allez, des pintes et des fringues. Shopping. Comment, man? Remontée du siècle. Allez. C'est maintenant que ça se passe. Le moment historique, il est là, les amis. Le dé-Covid. Le démasqué? Non, n'appuie pas. On a déjà fait cette erreur. Pourquoi le démasquer? Le masque. C'est toi qui as raison. Est-ce qu'on est sûr que c'est pas non, sûr? On n'est pas sûr. Un dévirus, puisqu'ils vendent des jeux vidéo. C'est vraiment le démasquer. Ah, le dé. Covid. Va sur le démasquer sinon. Est-ce que tu le sens, Pierre? Est-ce que tu le sens au fond de tes tripes? Les grands matchs, c'est au fond des tripes. Est-ce que tu le sens au fond je des sens. Tripes? Je sens celui-là. Mais bon, il y a plein de choses possibles avec le dé. Mais là, on est d'accord que on est sur un dé. C'est un café-jeu. Ou le déconfiné? Pour faire un jeu de mots avec décaféiné. Moi je crois plus au démasqué, mais bon, on peut dire les deux. Et... Vas-y avec les tripes. Démasqué? Je te suis. C'est des émotions, c'est des. Oh là là! Ben, il faut qu'on batte le fer tant qu'il est chaud. Le café du frère de Blaise. Braise Matuidi. Mais non, c'est avant là. Ah, il est avant. Alès Braise. Oh putain. Là. Oh le shoot en double. Comme dans Olive et Tom. Truc du phénix. Le taille favori de Denis Brognard. Donc c'est forcément Koh-Lanta. Koh-Lantaï. Ça peut être Koh-Lantaï. Attends, je réfléchis quand même à ce qu'il n'y ait pas des. Koh-Lantaï. C'est Koh-Lantaï, on arrête. Non, là on perd en confiance. C'est tout. Faut rester droit au but. Le coiffeur festif. L'arrêt. Création. C'est bien. On continue sans faute, Benjamin. Le nouveau bar de Charlie Chaplin. La rue est vers l'orge. Bar à bière. Le grossiste à la grosse tête. Le grossiste à la grosse tête. Gros lot, le grossiste à la grosse tête. Un personnage qui a une grosse tête. C'est le meilleur. Y a pas un personnage qui a une grosse tête, Benjamin? Ce serait notre dernier joker. La grosse tête, qui a la grosse tête? Je suis sûr qu'il est magnifique. Ah non, on trouve pas le décodeur. Hein. On a passé le temps, Benjamin. On accepte le point? Bah, il est mégalo. Oh, c'est dur. Oh, punaise. Oh, punaise. Ah, il est bien. Mais bien sûr, il est mégalo. Celui-là. Et on a officiellement plus le droit à l'erreur. Celui-là, c'est quand tu te le prends et que tu dis salaud, la lucarne, elle est belle. Allez. Tout le reste, c'est de la merde. Mais celle-là est belle. L'addiction de la mer. C'est l'addiction de la mer. Accroché, drogué, addiction. T'es en manqué. Manqué.
Ah, manqué, c'est pas mal, hein. Le manqué, c'est pas mal. Il n'y a pas de mer au Mans. Il n'y a pas de quai. En fait, on se fait avoir. C'est les mêmes erreurs à chaque fois, Pierre. On se fait avoir par l'indice et on veut un vrai jeu de mots, alors qu'en fait, à chaque fois, c'est la même erreur. Au lieu de dire, on va faire un jeu de mots, donc le mot qu'il a trouvé, c'est ça l'indice, on veut que l'indice, ce soit le tout. Le quai n'avait rien à voir. Addiction, accro. Accro, quai. Benjamin, il faut qu'on tire les conclusions, là. On a officiellement... perdu, là. Accro, quai. Ah, tu sais quoi, on s'est vu trop beau. Dès le départ, remate la vidéo. On est arrivé trop beau. On a fait les malins quand on a enchaîné 3, 4, 5, 6, 7 de suite. 7 de suite, Benjamin, il y en a eu. Bon, oui, c'est du jamais vu. Finissons-en. On va au bout du match, hein, mais bon, j'ai l'impression d'avoir déjà perdu. Le juste milieu... Chaud-froid. T'as plus envie. Bah oui, mais bon. Juste milieu. Ah, j'ai plus envie, bien. Après, chaud-froid, t'as raison, mais il n'y a pas de jeu de mots. Ni trop chaud, ni trop froid. Là, ça joue dur, hein, ça joue à l'anglaise. Ah, je t'avais dit, ils ont voulu corser le niveau, là. On s'est vu trop beau. Ils ont levé le niveau. On a un gros match. On donne tout, Ben. On donne tout, c'est le dernier. Le bar le plus paillard de Nantes est Montaigu. Oh, il y a des références en plus. Et Montaigu. Montaigu, Capulet, c'est Roméo et Juliette. Le bar le plus paillard de Nantes. On a perdu tout le mojo, là. On va devoir l'abandonner. Ah. Le temps est passé. C'est le dernier. Quel débandade. Ah bah vous nous voyez, hein. Là, il n'y a plus de fanfaronnade, c'est là on est à découvert, hein. Ah ouais, c'est mise à nu, là. Fin de carrière. Non, tu dis pas ça. Moi, j'y crois encore. C'est tout, on s'est vu trop grand, on s'est vu trop beau. Qu'est-ce que je te dis? J'espère qu'on vous a pas trop déçu. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui participent pour essayer de trouver en même temps que nous. Dites-nous en commentaire si vous arrivez à trouver plus que nous. C'est une fin de vidéo, c'est... Allez, c'est pas grave, il y a pire dans la vie, hein. C'est une ambiance particulière parce que... Oui, mais bon, on se met à nu aussi. On aurait dû entrer quelques heures en plus. On aurait pu faire le 5 fautes maximum. La digue du feu et mégalo, ils sont très bons, très bien. Professionnel. Messieurs, dames, on reviendra plus fort. Vous nous envoyez pas mal en message des magasins comme ça. Les envoyez pas à nous. Envoyez-les à la prod. Il y a un compte Insta, je mets le lien en description. Comme ça, si un jour on en refait, c'est eux qui les ont parce que nous, sinon, on se spoil. Merci à tous d'avoir regardé. Merci, Benjamin. Merci. On va retourner à l'entraînement. Ouais. C'est pas possible, quoi. Digue du chu, quoi. On va bosser.